Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tuto zéro déchet. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser des bouillons cubes maison. Pour cela, rien de plus simple. Vous conservez à l'aide d'un sac congélation directement au congélateur l'ensemble de vos déchets de légumes, les épluchures, les pieds, vous pouvez tout garder. Une fois le sac complet, nous allons apprendre à réaliser des bouillons cubes. C'est parti! Étape 1. Mettre l'ensemble de vos épluchures et restes de légumes dans une casserole que vous allez couvrir d'eau. Étape 2. On va passer à la cuisson maintenant. Donc cuisson 1 heure à feu doux. Étape 3, vous pouvez incorporer à votre préparation des herbes séchées comme des herbes de Provence, du laurier, mais également du poivre. Étape 4, il ne vous reste plus qu'à filtrer l'ensemble et transformer à l'aide d'un bac à glaçons en bouillon cube. Comme on le répète assez souvent, rien ne se perd en cuisine. Donc si vous avez fait trop de bouillon, et que vous n'avez plus de place dans votre congélateur, vous pouvez directement conserver dans un contenant en verre comme ceci, au frigo, votre bouillon. Alors n'oubliez pas qu'une fois la recette terminée, vous pouvez également composter l'ensemble de vos déchets.